Bonjour, enchantée. Bienvenue sur cette première vidéo sur ma chaîne de l'équipe. Salut. Salut à tous. Coucou. Oh, vous êtes tellement coincés. Mais c'est le track en fait. Wesh la team. Pardon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les gars? Nous allons faire... Un Uno. De la photo. C'est bien. Elle a gagné. Nous allons nous affronter par équipe. Des équipes dans l'équipe. Équipeception. Excellent. Pour faire, voilà, la meilleure photo. Comme j'avais déjà fait, donc j'avais fait un épisode 1 avec Sun, puis je me suis dit que ce serait encore plus drôle si on était en équipe, donc il fallait qu'on soit 4. Ça tombe bien! Nous sommes 4. Parce que 1, 2, 3 et 4. Bah tu sais compter, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Hein. Je doute un petit peu de bah les gars, vous inquiétez pas, je suis là. Hein. Du coup, déjà par contre, nous allons devoir choisir les équipes. Et je propose de le faire au tirage au soir. Ah, ok. Pour le plus grand plaisir de Soir et moi. Parce que je pense très bien que si on tombe avec Frit, on a perdu. Ouais. Non, j'ai peut-être révélé. On n'a pas de courte paille. On a établi un système d'élection high-tech. Révolutionnaire. Je pense que tout le monde va faire ses tirages au sort avec ça. Tu peux faire genre comme ça en fait. Ah merde, je suis con. C'est sûr. Je suis vraiment débile. Si, non, regarde. Jaune, de rouge. On n'avait pas encore expliqué, mais du coup, le concept révolutionnaire, c'est ça. Ce sont les cartes. Les cartes de Dune. De couleur. Donc il va y avoir l'équipe rouge et l'équipe jaune. Moi, je serais chaud pour qu'on donne un nom aux équipes après, pour les élections formées. Allez, et ben du coup, déjà, tirons les équipes. Le moment de stress, God. Okay. Vous êtes prêts? Oui. Pas frites, pas frites. À 3, 2, 1. Nous allons... Non, il y a sur Harry Potter. Pas frites. Pas frites. Attention, 3, 2, 1. Ah ouais, allez, Sorette, on est là, on est non, là. Non, ça peut ça plaisir, plaisir bon, t'inquiète. Franchement, ouais. Non, franchement. En fait, tu vas être la douceur et moi je vais être quelque non, chose. Non, mais par contre, Marie est une redoutable adversaire. Marie, voilà. Bah, la double, t'as déjà fait un truc comme ça. Sans compter Free quand même, qui est le... Bah, Free sera, à mon avis, l'élément décisif dans l'équipe. Je pense que je suis un peu le outsider de la vidéo. Non, mais ce qui va être génial, c'est qu'après, on va faire deux photos par team. Ensuite, je vais les mettre sur mon Instagram et les gens vont voter sans savoir qui a pris la photo. Ouais, donc ça, s'ils votent tous pour Fritz, on perd tous voilà, le gueule. Oh là, franchement. Votez pour moi, genre... Je te fais le deviner. Non, mais ils font pas. Non, je sais, mais genre, deviner quand même, malgré tout. Merci, ouais. Donc, alors, j'avais fait l'épisode 1, j'avais fait un timer d'une heure. On s'est rendu compte qu'une heure, c'était large. Donc là, on va dire 20 minutes. C'est chaud quand même. 20 minutes. Après, ça va, on a des jolis environnements. Il faut qu'on soit revenu ici dans 20 minutes. Nous sommes en plein milieu d'une forêt, donc c'est pratique. On n'a pas le droit de faire des photos à l'intérieur de cette maison. Okay. Ni de la piscine. Okay. Parce que donc le thème du jour, et j'ai choisi un thème et tout, voilà. Ça commence à être élaboré. Le thème, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans la piscine. Alors le deuxième, il fait 40 degrés. C'est-à-dire les arbres sont secs. Même les arbres, ils meurent d'hydratation, meuf. On a le droit de céder de trucs qu'on a nous. Ah, ok. Je peux utiliser l'eau de la piscine. Oui, mais tu peux pas prendre en photo la piscine. Ça me va. Très bien. Ça me va. On va partir de notre côté, du coup. Avec une caméra de chaque côté. Et on va mettre un timer. Et dans 20 minutes, il faut qu'on soit revenu ici. Je reviens dans 3 minutes. Frère, on a deux photos à faire. On trouve l'eau. Est-ce que vous êtes prêts? Attends, il faut. Les noms de team. Ah oui, il y a raison, il y a une team. Je sais pas en vrai. Moi, je proposais Vincent. On est la team Vincent. Pourquoi Vincent, mec? La team Vincent team. Et nous, la team. C'est nul, frère. C'est nul. On voit Vincent team. Ouais, je t'ai pas prêt pour ça. Nous, on est la team au pur. Dis, non, t'es la team au pur alors qu'il a une putain de vague d'eau de mer sur son t-shirt. Frère. On est la team vague. La team vague. Ah, oh, putain. Non, on va dire la team mer. On est là-dedans, on est la team océan. Océan, non, lac. Eau douce et eau de mer. Pourquoi on se prend autant la tête? Parce qu'on est l'eau de mer, parce que nous, on est des trucs, une mer déchaînée et on va vous engloutir. L'eau de mer. Bah, nous, on sera l'eau douce qui va calmer justement. Et on a un cri de team. Eau de mer. Eau de mer. Déchaînée. Déchaînée. Ouais, on dirait que vous êtes dans un manga et vous allez faire une transformation. Là. Pardon. Voilà, pardon. Sérieux, s'il vous plaît. Bon, c'est parti. Ok. Et le timer? La caméra? Bah oui, non, oui. Tiens, mais caméra, bien sûr. 3, 2, 1, go. C'est parti. Oh putain, j'aurais dû prendre mes lunettes. On a pas envie d'utiliser de l'eau de la piscine. Enfin, on a pas envie d'utiliser la piscine. Mais non, ce qu'on va faire, meuf, c'est qu'on va prendre le pistolet à eau. J'y ai pensé. Et comme ça, on a de l'eau à volonté. Là, on peut utiliser l'eau et en foutre partout. On peut en foutre sur des arbres, sur des feuilles, on peut tout faire. Oui, mais il faut faire un truc stylé. Oh là là, il y a beaucoup trop de luminosité partout. Non, attends, le bateau, c'est... Si, on va les ralentir. Ok.
Attends, mais mec, moi j'avais une putain d'idée. Ouais, dis-moi. C'est genre, on fait une photo où genre t'as de l'eau qui coule. On prend une bouteille et tu fais couler l'eau sur n'importe quoi, un rocher et pâche, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais si, putain! Tu prends la bouteille, tu... Attends, vas-y, je vais prendre une bouteille. Tiens, t'inquiète pas! Attends, je me prends déjà des toiles d'araignée, putain, mais c'est. Sérieux? C'est la survie, vraiment. C'est pas une forêt, c'est une jungle. En fait, attends, j'ai pris mon téléphone. T'as pris ton téléphone? Merde! Meuf, viens voir, viens voir. Écoute-moi. J'ai une idée de ouf. Je sais pas si on peut réussir à faire ça, mais j'ai une idée. Vas-y. Est-ce que t'as déjà vu. Non, mais en vrai. Est-ce que t'as déjà vu les photos sur Instagram où en fait, ils font une flaque d'eau et ils photographient le reflet de la flaque d'eau? Ouais, mais tu crois le qu'on paysage. Peut faire ça? On peut tester. Oui, mais faut qu'on trouve un endroit, faut qu'on. Ah oui, mais t'inquiète, on va trouver. Genre là, mais faut y aller. Regarde, on va essayer comme ça. Mais jamais, mec, jamais de ma vie t'auras une flaque. T'inquiète, frère. Fais-moi confiance. Later. On est dans la merde. Je vais aller comme ça va aller plus vite. Attends. Jamais t'auras ton reflet là-dedans, mec. Non, pas mon reflet, frère. Attends. J'essaye. Ok, je ne juge pas, je te laisse faire. Je suis un peu sceptique. Mais je ne juge pas. Ça marche pas. On est d'accord. Il fallait essayer. Oui, t'as essayé. Moi, okay. J'ai une autre idée. Vas-y, alors, attends. Faudrait un rocher. Bah genre celui-là, ouais, tu vois, c'est un peu cascade en plus. Nickel. Ouais, alors attends. Vite. Ouais. Ok. Allez, vas-y, on va voir ce qu'il y a par là-bas. Surtout qu'on connaît pas du tout le coin. Hein. Bah justement, ça, on va peut-être découvrir des trucs de fou, tu vois. Mm-hmm. Moi, je l'aurais pas pris d'aussi près. J'aurais pris la cascade, en fait. Regarde, c'est stylé, non? On voit un peu à travers. Meuf, c'est claqué, y a aucun décor. Essaye de prendre ça avec la cascade. Ok, vas-y. C'est un peu casse-gueule, par contre. C'est méga casse-gueule, mais regarde-moi ça. En fait, c'est genre Koh-Lanta, quoi. On va c'est Koh-Lanta. On va devoir traverser la peau. Attends, mais c'est Koh-Lanta, frère. Mais franchement, ouais. Bon, si jamais je meurs, dis à ma famille que je l'aime. Ok, j'ai survécu. Sans les gens qui partent jamais à l'aventure, quand même. Ah ouais, bon, après, en même temps, vu le terrain qu'on a, là... expérimenté ou pas, c'est quand même difficile. Mais ici, Riri, il y a un petit chemin. Ouais. Et il y a moyen de passer. Ouais, mais en faisant attention par contre. Frère, je vais passer par là, je suis un Yamakasi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai été ninja à une époque. C'est vrai. J'ai eu l'habitude de faire ça. Le belge fou, on l'appelait. Ah, je me fondais dans la nature. On pensait que j'étais une plante, vraiment. Bon, faut qu'on trouve un truc pour mettre l'eau dessus. Ah là, Riri, déjà, il y a un rocher. Je sais pas s'il y a moyen de faire un truc rocher, avec ça. Rocher, il y a moyen. Mais il faut qu'on ait deux photos. Tu sais comment il s'appelle, le rocher? Non. Yves Rocher. Voilà, je voulais juste placer une blague dans cette situation qui est plus que désespérant. Non, mais... Ok. C'est pas fou. C'est pas... Mec, personne va liker ça. C'est pas fou. Bah, on peut tester un truc classique, mouiller une fleur. Jean Cameraman. Moi, je fais Lara Croft. Aventurière, et on essaye de trouver un bon rocher. Aïe. On peut essayer genre de mouiller une fleur et de bah, tu sais, de la prendre de très près, tu vois. Non, pas sur une feuille, elle est dégueulasse. Ouais. Regarde, t'es mal à la feuille que tu veux photographier, tu te fous de ma gueule ou comment ça se passe? Eh, hey, le petit chemin comme ça là. Franchement, ça a un petit style, hein, franchement. Il y a de l'idée. Oh, il y a de l'idée de ouf. Ah ouais. Là, oh là là. En fait, on est dans le mont rocher, quoi. Franchement, il y a grave moyen. Maintenant, la question c'est l'eau, comment est-ce qu'on va l'intégrer là-dedans? Bah, c'est pas dingue, hein. Donc Riri a une idée, tu essaies de faire un truc avec la petite fleur. Enfin, une fleur, une feuille plutôt. Oh my god. Tu vas la noyer. On dirait qu'elle est au bout de sa vie, la fleur. Ah, putain. Il y a pas une goutte qui est restée. Il y a une goutte qui est restée, mais sur la branche. J'essaie de zoomer sur la branche. C'est assez périlleux. Mais tu vois, il y a de l'idée. Ouais, clairement, je... Au moins, tu vois, ça fera déjà une idée. En plus, on est en plein soleil, frère. Ouais, là, je suis en train de fondre actuellement. Non, mais je sens que je suis en train de... J'ai déjà perdu 2 kilos, là. Entre le petit truc qu'on vient de faire, plus le temps qui fait. Ok. On va essayer, genre, de balancer de l'eau, tu vois, au niveau du ciel, un truc. Et en mode rafale, et voir si on arrive à obtenir un effet. Sur l'eau, mais c'est trop dur comme thème. Parce que elle a choisi le thème. Donc, elle connaissait un petit peu, elle avait déjà peut-être une idée, tu vois. Nous, pas du tout. On est perdu pour l'instant. On est perdu, si donc. Les rochers, ah bah peut-être de l'eau qui coule sur le rocher. Ouais, mais genre... de ouf, ouais. Sur ce rocher-là. Ou celui-là, tu vois, il y a 2 rochers qui sont collés. Si tu fais tomber, ça fait une sorte de petite cascade, genre, tu vois, le centre là. Mm-hmm. Ils sont tous les deux genre collés. Et bah si tu fais genre tomber au milieu, allez, tiens, on déblaye un petit peu les. Je te laisserai prendre la photo parce que moi, frère, j'ai foi en toi. Je vais aller à l'aventure. Plaisir. Ça me fait plaisir, ça. Est-ce que c'est facile d'accès pour aller derrière le rocher? Non, toi reste devant, du coup. What the fuck? Alors non, c'est pas facile d'accès. Ah ouais? Sérieux? Attends. Bon, alors Riri à la guerre. Comme à la guerre, on va devoir peut-être escalader les rochers, hein. Bah écoute, c'est le plan.
Putain, j'ai des araignées qui viennent sur moi. Regarde où ils sont. Putain, mais elle a pas été. Comment elle a fait pour se promener là-bas? C'est chelou. Les gars, il y a un ruisseau? Non, je la crois pas. Tu crois? T'en fous, nous, ça sera mieux. Allez, on teste, on teste. Ça sera mieux. Ça sera mieux. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi difficile d'accès. T'as, en plus, j'ai oublié qu'on avait un timer. Attends, à mon avis, je vais pouvoir y accéder par là. Mais attends. Ah, vas-y. C'est le pire inventé que j'ai vu de ma vie. Recommence. C'est un frelon, ça. Putain, c'est un frelon, arrête, gros. Arrête, sérieux. Non, mais il y a des frelons, en fait, dans le rocher. Non, arrête. C'est méga dangereux. Donc, on la prend vite fait. Mets-toi par là. Ouais. C'est bon. T'es prêt? Ouais. Let's go. Ça fait un truc ou pas? Bah, ça fait un rocher mouillé, quoi. Ok. À la guerre comme à la guerre, gros. Très clairement, genre, je pensais pas que ce serait aussi physique. Attends, je vais tenter un jump là. Attends. Je me suis senti un peu guépard là et. Je vous reprends la caméra. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. C'est le guépard. Ah, attention, hein, l'agilité. Bah, c'est nul. C'est pourri, c'est claqué au sol. Meuf, c'est claqué. Quoi? C'est claqué. De quoi c'est claqué? Bah, ce qu'on a fait, c'est claqué. C'est moche? Ouais, c'est claqué au sol, frère. À ce point? Ouais, regarde, je te jure. En fait, si on run, ça fait ça. C'est moche. Ok. Bon, on va plus bas, parce qu'après faut remonter. Hein. Ouais, il nous c'est reste vrai. 9 minutes. 9 minutes. Vas-y, viens, on tente un truc avec les rochers ici, ou même ici, à la limite. Genre là, tu vois, il y a un rocher un peu plus bas ici. Ouais, je me dis, ouais. Si ça coule sur le rocher, ça peut faire des sortes de d'effets de splash, tu vois. Vas-y. Meuf, il y a un tuyau. Ah ouais, putain. Oh, coquillage avec de l'eau. Prends coquillage. Et si, genre, je mets juste ma main comme ça, et tu fais pleuvoir sur le coquillage. Mais de ouf. Non, attends, frère, on est trop proche des frelons. Ah ouais? Ils tournent vraiment autour de moi. Il y en a deux, là. Sérieux? En fait, on est trop proche de leur nid, donc j'ai peur qu'ils deviennent agressifs. Bah, tu sais quoi, il y a encore des rochers là. Qu'est-ce qu'on fait pas, quand même, pour les abonnés? Mais de ouf. On risque nos vies. Celui-là, il est pas mal. Ouais, c'est ça. Il y a moins de faire un truc, j'espère juste que, bah, on aura assez d'eau. Ah ouais, putain, avec les herbes, sinon. Genre derrière. Pardon, excuse-moi. Non, c'est trop, fais la pluie. Comme ça. Ah ouais. Comme ça. Ah putain. Ah, falloir que je prenne la photo en même temps. Mais oui. Oh meuf, ça va être chaud. Bah ok, ouais. Ok, mais ça le fait. Le décor est bon, sinon on aurait pu dans les herbes, ça fait un peu forêt. Vas-y, ouais, carrément. Ouais. Il reste 5 minutes, frère. La pause incroyable. Je fais ce que je peux. Ok, on va essayer un truc ici. Bah, en vrai, on va remonter, on va essayer de voir si on peut pas, genre, faire pendant une dernière minute un truc avec l'eau de la piscine. Mais là, il reste 4 minutes. J'ai même plus par où c'était. En fait, on s'est perdu. On va pas arriver à temps. Oh my god. Ah là, j'espère que ce qu'on a fait, c'est pas nul. T'inquiète, après, on peut retoucher un petit ouais, peu les photos. Vrai. Ça va être pas mal, ça aussi. Après, j'ai envie de dire, on a fait avec le décor qu'on avait. Ouais, et avec le timer aussi qui met de la pression. Le timer, frère. C'est surtout ça. Et on a quand même risqué nos vies près des frelons, donc. On était près d'un nid de frelons. J'ai envie de dire, la prise de risque plein. Était là. Il y en avait plein. Eux, ils ont pas bougé, frère. Je les entends encore, ils sont près de la piscine. T'attends, ils ont plus galéré que nous, hein. Ça se trouve, hein. On sait pas. Ça, on peut pas savoir. Non. Oh my god. Franchement, meuf, il y a moyen d'un truc sympa. Bah, on en aura qu'une. Il y a déjà 15 minutes qui se sont écoulées. Bah, écoute, on va tout passer sur elle. On va voir ce qu'on peut faire avec. Regarde, j'ai même l'arc-en-ciel, meuf. Tu vois. Et si on la retravaille, tu crois que ça peut faire quelque chose? Franchement, de ouf, hein. J'aurais bien dit, on essaye la flaque dans le ciel. En slow motion, hein. On peut essayer. On met de l'eau sur le trampoline et on la fait rebondir. Oh, le trampoline, ça traversera pas. Vas-y, c'est une bonne idée. Ah. Oh là. Non, mais en vrai, après, j'en au moins, ai une ou deux qui font stylé. Je sais pas, tu vois, le résultat de ce concours, enfin, ce duel. Ouais. Mais on peut pas dire que on n'a pas tenté des choses et qu'on s'est pas donné à fond pour tenter de faire un truc de bien. Donc, tu vois, je veux quand même souligner notre effort. Il reste combien de temps? 2 minutes 50. C'est impossible. Il reste 2 minutes 50, meuf. On peut peut-être essayer ouais, de l'eau avec ça. Genre une belle photo macro sur une plante, non? À part que c'est notre idée, dis-moi. Hein. Non, je te jure que là, je sais pas. Je c'est sais pas facile, hein? Non, c'est pas facile hein, comme thème, hein. L'eau. Écoute, on va essayer un bail. Mais on voit pas l'eau quoi. Ah non, on voit pas l'eau. Que faire, Dooms, que faire? J'ai perdu un spi, meuf, je sais pas. Une photo, elle est pas. En vrai, celle du bouquin, j'ai pas mal, hein. Sur la retravaille, elle est pas mal. Mais le reste, je sais pas du tout. Est-ce que vous avez une idée, vous? Moi, je sais pas trop. Aidez-nous, on est perdu. Là, on est un peu perdu. Je sais pas. Mais maintenant, là, on est hors course en plus, on est hors compète là. Il reste 45 secondes, meuf. Allez, vas-y. Faut qu'on court. Il reste 40 secondes. Ok. Allez. Bon, après tout ce qu'on a fait. Ça va, ici c'est tranquille. On va en sélectionner, mais il y en a au moins deux qui sont bien.
Ouais, j'espère. J'espère que la feuille peut nous sauver. Bah, c'est épuisant tout ça. Ils sont là, mais regardez, ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé. De ouf. Non. On a pris des risques énormes. Il reste 20 secondes. Ouais. 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 Je pense qu'on a fini, hein. Depuis un quart d'heure. Oh, depuis très longtemps, hein. On a fini depuis un moment. On a fini, ouais, c'était facile, hein. Facile. Ouais, simple, hein. Alors moi, je peux te dire que là, j'ai l'impression d'avoir fait Koh-Lanta, là. Ah ouais. On a fait Koh-Lanta. Clairement, on a fait. On a fait. Parcours du combattant là. Non, ouais. Ouais, c'était pareil, hein. Bon, pareil. Moi je dis, c'est important les efforts, il faut souligner ça. Le timer. Bon, bah voilà, on a fait 20 minutes. À l'instant. Ouh. Ouh. Pile poil. Ouais, bah on a vraiment. On était, meuf, on était à ça. On était à ça. Par contre, thème hyper compliqué, meuf. Hein. Ouais, de ouf. Je suis désolée. C'est compliqué, hein, le thème. On va sélectionner vite fait les photos, les retoucher, après on se les montre. Ouais, c'est ça. C'est parti. Allez, c'est parti. Ok. Eh, nous, on n'en peut plus. Ils ont pas bougé. En vrai, je pense ça. Et nous, pendant tout le monde, on est là. Putain, frère, on était sur un rocher, il y avait un nid trop loin, il y avait 10. Ouais, ouais. Mec, t'aurais pété un câble. Genre, à un moment donné, j'ai une araignée sur ma jambe, t'aurais pété un pont, gros. Ah, la vérité que c'est vrai. Ah, nous aussi, on a. J'ai peut-être dans les cheveux ou quoi, je sais pas. Après, nous, on s'est mis en danger aussi. Bah oui, franchement. Ouais, ouais. C'est genre. Ouais, ouais. C'était chaud. Ouais, c'était vraiment tendu. Je te montre un peu toutes les photos. Parce que des fois, le soleil, on va très bien. Tu peux tout aussi, t'as. L'idée était là, nous aussi. Et après, nous, l'idée était là aussi. Genre, la ligne avec ta pompe, tu vois, la limite. C'est comme ça, tu t'es dégoûté parce que ton pompe, c'est de la merde. T'as vraiment l'impression, est-ce que vous avez déjà fait un exposé et genre, vous savez, votre exposé, il est claqué, tu vois. Ouais. Et t'as tes potes, ils parlent de leur exposé et il est ouf. Et toi, tu te dis, franchement, quand je vais passer après eux, bah, la vie de ma mère, que je vais vouloir m'enterrer tout ça. Ok, let's go, motherfucker! Yes! Let's go, motherfucker! Oh, yeah. C'est qui va gagner? Pas nous. Bon, nous voici après les 20 minutes, après avoir retouché et sélectionné nos photos. On est là, hein? Nous allons maintenant nous les montrer. Alors, non, franchement, n'ayez pas peur. À la limite, commencez-vous. Hein. Ah ouais? Commencez-vous. Ouais. Ouais. Okay. Bon, la première qu'on a. Alors, on a tenté, on avait une bouteille d'eau et on a essayé de mettre de l'eau un petit peu partout. Nous aussi, et tout. Si vous saviez tout ce qu'on a cascadé et tout, le mordant et tout. Le mordant, mais gros, j'ai des cascades. On a trouvé une feuille un peu en plein milieu de nulle part et tout. On s'est dit que c'est très sympa avec un petit peu de rosée du matin et tout. Donc on a essayé de mettre un peu de rosée du matin dessus. Très joli. C'était pas simple. Efficace. On a des plans où genre il y a une note d'élu qui tombe sur la tête. Et il faut jauger, tu vois. Ça, après, c'est pas pour vendre, mais le fond est stylé aussi. Ouais, ouais. On voit les petits sapins. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, on s'est dit que la feuille c'était un peu ridicule. Donc on s'est vraiment engouffré. On a vu des rochers de ouf. C'est là on a fait notre meilleur parcours du combattant. Et là, on a fait la même chose. Frit était là avec la bouteille. Ouais, j'ai battu un ours. Et on a fait du coup celle-là. Ouais. Un peu moins convaincu. Un peu moins convaincu. Ouais, la même, on va moins. Vous trouvez, regardez, pourtant elle brille de ouf. Les particules sont vraiment pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, tu vois le petit effet de bouclette comme ça. T'as fait assez fond d'écran et c'est vrai qu'on a pas mal galéré. Mais je voudrais peut-être la première. Et le fond aussi. Le fond est vraiment. Le fond, par contre, au niveau de la lumière, au niveau des couleurs, c'est toujours celle-là. On a joué là-dessus. Mais au niveau de l'eau, je préfère peut-être la première. Et il y a les effets d'ombre qui nous ont pas aidé non plus. Mais je trouve que la. Et l'eau reste subtile en fait. C'est ça, c'est subtil. Mais elle est là. Celle-là fait très. Tu vois, première image de petit film, tu vois. C'est la goutte qui tombe. Donc voilà nos photos. Ok, bravo. Et maintenant, petit mot de mer. Nous, on a beaucoup galéré, ok. Ouais. Au début, on s'est même posé la question, si on n'est pas vous présenter ça tellement on n'avait rien. Mais en fait, on s'est demandé si vous alliez y croire. Est-ce que vous y croyez? Non, il n'y a pas de feuille aussi verte et parfaite ici. Bah, sur nous, il y avait des taches. Même sur un malentendu. Ok. Donc du coup, on a. Heureusement, on n'a pas triché. Ensuite, on est parti sur quelque chose de floral, avec les petites gouttes d'eau. Ok. Quoi? Ça passe? Quoi? C'est pas là. Ah si, c'est vrai, c'est les fleurs juste de la cuisine. Ok, voilà. Stylé. Je te jure, c'est nous. Sur le dernier moment, on s'est dit, en fait, on a pris plein de photos en mode rafale et on s'est dit qu'au début c'était moche. Et à la fin, entre ça et la photo photoshopée, enfin la photo de Google, on s'est dit, bon, bah autant qu'à faire, on tentait ça, tu vois. Et la deuxième, on est quand même assez fiers parce que c'est quand même pas mal. On a fait ça. Waouh, oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ah oui, effectivement. Voilà. C'était une fusion de notre idée. Moi, j'ai pensé à l'arrosoir, enfin au tuyau d'arrosage.
Ouais. Et elle, on a le bocal. J'ai fait putain, le bocal. Elle a pris le bocal. Elle a dit tiens, avec ma main, on fait pleuvoir de la pluie et tout. Et voilà. Et voilà, ça donnait ça. D'accord, ok. Stylé, très stylé. Bah, je suis jaloux que vous avez eu de l'eau en masse et que nous, on a eu. On a pensé malin. On a voulu commencer avec le pistolet à eau. On s'est dit, c'est un peu trop compliqué, un peu trop vénère. On a voulu faire une cascade sur le rocher. Ça marchait pas. Ça n'avait aucun sens. On aurait pensé que quelqu'un pissait sur ce rocher. Après, on a voulu prendre un saut et on est passé devant l'arrosoir. Et je me suis dit, l'arrosoir. Moi, j'ai fait le coquillage. Voilà. C'est moi qui ai du coquillage, quoi. C'est moi qui ai du coquillage. C'est moi qui ai du coquillage, meuf. Mais de toute façon, on est une équipe, on est une équipe. Prends coquillage, prends coquillage. On est une équipe. Les photos sont bien, mais c'est pas nous qui faisons les abonnés. Elles sont pas ridicules. Ça va, non, non. C'était notre challenge. Franchement, mec, on a réussi. On a réussi à pas être ridicule. Les abonnés vont décider. Donc, je vais prendre les 4 photos, je vais les mettre sur Instagram. Yes. Et on se retrouve dans 24 heures pour voir le résultat. Ok. Tomorrow. Bon, nous voici 24 heures plus tard. Après avoir mis les photos sur Instagram, après vous avoir demandé. Alors, il y a eu en tout 30 065 votes. Wow. Quand même. Est-ce que c'était serré ou pas? Est-ce que c'était serré? Ou est-ce qu'il y a vraiment une photo qui fait vraiment la différence? Disons que sur les 4, il y en a une où vraiment non. Elle est au-dessus. Mais les trois autres sont pas mal. Il y en a une où vraiment c'est de la merde. Il y en a une où vraiment c'est de la merde. Ah, je sais pas. Donc, du coup, nous avons donc 30 000 votes. C'est beaucoup de participants. On la bonjour. Première photo, c'était votre coquillage. Allez ah, attends, j'ai pas dit non. La première, la première photo de votre coquillage, elle a eu 11 559 votes. C'est un tiers des votes, hein. Quand même, pas mal. C'est un tiers des votes, mais pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième photo, c'était notre rocher. Ouais. Avec la goutte dessus, avec le coucher de soleil. 2 votes, c'est moi et 12. Ouais. Celle-ci a eu 6766 votes. Ça me fait mal. Mais c'est pas mal. Oui, c'est bien. Mais ça me fait mal. Quoi. La troisième photo, c'était notre branche avec la goutte dessus. Ouais. Celle-ci a eu 2135. Aïe. Et la quatrième photo a eu 9600 On est tellement partis. Et du coup, oui, le coquillage, c'était vraiment la première photo. Si jamais, donc voilà. Ouais, mais nous, on avait beaucoup moins de trucs, tu vois. Mais surtout, on a joué à 20 minutes, c'est très court. Ouais, en vrai, je me suis dit, ouais, tranquille et tout. Ouais, en vrai, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu 20 minutes, je l'ai enlevé, je l'ai regardé, il restait 40 secondes. Voilà. C'est incroyable. Donc, pour le prochain épisode, s'il y a un épisode 3, ce sera pas 20 minutes, du coup. Mais bravo à la team Audemer. Allez, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont choisi la facilité, nous on a choisi le risque. On a choisi la stratégie. On a choisi la tactique au final. Le malin. Ouais, exactement, le malin. On a été plus malin. Ah, vous aviez j'ai fait deux épisodes, j'ai perdu dans les deux épisodes, alors j'ai fait des études de photo. T'inquiète, jamais 203. C'est pas ça, c'est juste qu'il y avait plein d'objets et que nous on a rien à faire. Yes. Bon, allez, je vous laisse faire l'intro. Eh bah, du coup, merci d'avoir choisi ce. Zéro pitié. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Riz, c'est le plus important. Et ensuite en bonus à la chaîne de l'autre et des deux vainqueurs. Comment ça, l'autre? L'autre, le perdant. Abonnez-vous pour me soutenir parce que j'ai perdu. Le perdant, le faiblard et les deux gagnants. On verra si j'étais un faiblard dans la vidéo. Est-ce qu'on parle des petites couronnes là, je suis au-dessus de nous? Voilà. Allez, fin de la vidéo. Salut. Disparition. Ciao.